Il jouit, ça m'énerve. Ah, il est super heureux de rouler. Non. Attends. Mais. Ça va. Nous avons sauvegardé. Oh le bowling. Aïe aïe aïe. Pourquoi? Ah merde, il y avait écrit la dernière sauvegarde et je l'ai écrasé. Tu me dis quand je fais le lancement. Ouais. D'accord. On va se rapprocher un peu du micro. Je crois que le capteur est parti en live. Comment on fait pour le recentrer? J'ai rien fait! Ah déjà? Ah oui. Ah oui. Ouais mais c'est pas lancé, y'a personne. Oui mais on coupe. Vous couperez hein. Putain, mais tais-toi. Ah ben elle est heureuse d'avoir entendu Evoli en train de roucouler. Mais pourquoi il roucoule ce con? Arrête! C'est mon nouveau jeu quoi! Non! Ça va faire la soirée! Oh, c'est trop bien! Allez, vas-y. On est parti? Ouais. Allez, très bien. Mon année! Oh là là. Allez, on commence. Bonjour tout le monde, ou bonsoir, ou alors dans ce cas-là, les deux, bonjour. Bonjour à tous, ici Yakipon pour Ivasan Studio avec la meilleure musique du monde qui nous accompagne, celle de l'avant-ville. Bon, on s'est beaucoup amusé lors du début de stream, on a découvert que Ivy pouvait vous couler. Voilà. Ça m'a plu. Je peux pas dire autre chose, ça m'a plu. Mais sauf qu'à l'avant-ville, on peut encore rien faire. Mais est-ce qu'il faut déclencher les trucs ou est-ce qu'on s'en va à genre gratuit? J'ai oublié ça. Oh, il y a le centre de bénévolat. Putain, on se croirait à... J'y vais à centre. Bénévolat.
C'est Monsieur Fuji. Monsieur Fuji n'est pas là, sans blague. C'est à mesure de Monsieur Fuji. Ah là là. Faut quand même qu'on aille à la tour. Il y a eu un message sur le stream ou pas? Qu'est-ce qu'il a encore? Ne dis pas que c'est juste pour garder les fleurs parce que je te gifle. Hein. Ah. Hi. Hey. Bonsoir Alga, bonsoir Nino. Mais pourquoi moi j'ai rien? Pourquoi moi j'ai pas? Attendez deux secondes. F5. F5 genre. Bienvenue sur le chat. Écris test. Test, ouais, je vais écrire un test, regarde. Test. Voilà. Ouais, un peu, merci, c'est bon, ça fonctionne. Oui, ça a l'air de fonctionner, oui. Nous allons donc à la tour Pokémon. Mais non, vous êtes pas ignoré. Mais non, si je vous voyais pas sur mon écran, nuance, oh là là, de suite, les grands mots. Oh putain, cette musique. Oh putain, ils ont vraiment une sale gueule, les exorcistes. Est-ce que nous allons bien? Non mais moi je veux pas me battre contre Régis, hein. Je sais qu'il est là, ce con, regarde. Nino demande si tu vas bien. Vous allez bien? Oui, ça a l'air d'aller. J'ai découvert que Evoli roucoulait, donc je suis très content. Bon alors, rien que pour vous, parce que vous venez d'arriver. Evoli qui roucoule. Oui, oui, il veut se battre, ma sœur aussi, allez. Non. Non. Attention. Non. Non. Roucoule, connard. Non. Non. Mais pourquoi il veut plus? Il en a eu assez. Ah, vous étiez déjà là. Oh. Oh, putain. C'est génial. Mais j'ai pas envie de tuer... Régis Manin, il va nous foutre la misère. À moins qu'il soit adapté au niveau. Je ne pense pas. Mi, 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 mi. Bon. Nous allons à Céladopole. Et on a l'habitude d'entendre Evoli. Oh, quelle honte. On déteste tous Evoli. Ah oui, c'est vrai, parce qu'ils ont un Pokémon Let's Go Evoli aussi, je crois. Ah, ils ont pas pris Pikachu. Salut, Canon. Putain, mais elle a un sac à main et tout, quoi. Il est tout doux, tout rond et tout trognon. Alors, je pense pour Tadmorve. It's Pikachu. It's Pikachu. It's Jigglypuff. Non. C'est Latatia. Et toujours... Quoi? It's Clefairy. It's Clefairy. Fuck. Mais pourquoi? Mais pourquoi c'est pas Rondoudou? Il est tout rond, il est tout mignon. Mais l'offre, elle est pas toute ronde. On dirait qu'elle est enveloppée. La gentillesse du personnage. Oh putain, j'avais oublié. Ah, j'avais oublié la poudre dodo. Genre... La 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 la... Les combats sont un peu longs... Les combats sont un peu longs... Oui... Oui... Oui, oui... Oui, 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 oui... Oui. Bon, je vais arrêter de chanter, ça suffit. Mais pourquoi il reste un point de vie? Mais putain! Mais pourquoi il y a un moucheron nul? Aïe aïe aïe, ma bonne dame, il y a vraiment plus de saison. Hein. Rond comme un ballon et plus rose comme bonbon, c'est Rondoudou, quoi. Que fais-tu, monsieur Petrochili? Ah, on entend le retour? Eh bien, bravo. Je ne suis pas très fier de toi. Est-ce que tu veux un M&M's? Ah, ouais. Est-ce que c'est un M&M dans ce cas-là? Il y a beaucoup de bleu.
Oui, c'est parce que je les garde pour la fin, il paraît que c'est un com... Non. C'est une blague. Oui, non, mais il y avait quelqu'un qui disait ça, j'ai beaucoup ri. C'était dans la pub. Ah bon? Ouais, dans la vieille pub. Dans les vieilles pubs, que les bleus, c'était... Mais non. Ah ouais. C'était des tarés. Hein. Oh merde, je vais mourir. Si je me prends un pic-pic, oui. Je suis très la curie. Mais cette... en fait, il a commencé, Nino. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dirait? De quoi? Je disparaîtrai quand le live où je suis commence. Quand le live que je suis commence. Ah, un autre, d'accord. Il commence à un moment. J'avais pas compris. Quoi? Non mais moi, je lis mal, parce que je suis loin. Excuse-moi, mais tu vas m'énerver. Hein bon. Mais pourquoi le poisson roi, il est vite? Non, je pars pour du arc. Ah ben bravo, bel état d'esprit. Et je suis mort, voilà. On aime beaucoup l'empalcorne. Hein. C'est vraiment très excitant. Bordel de merde. Bon ben... Ouais, on va faire comme Ralga fait à Noémie. Bouh. Bouh. Arc. Ah, bouh. C'est gratuit. Hein. Ah. Oh, c'est le jeu des poissons. Je le veux. Mais pourquoi il est niveau 35 le poisson roi Attends, mais est-ce que je suis sous les volets? Est-ce que j'ai fait tous les combats dans... Et je me suis encore fait en palcorne. Voilà. Bon, mais en fait, je vais perdre sur un dresseur. Va falloir que j'utilise du rappel, putain. Roku, s'il te plaît. Moi, je veux le voir. J'aime beaucoup trop. Mais pourquoi tu l'as mis? Mais fallait pas. Fallait dire ta race. À 3, j'éternue. 1, 2... Non, c'est bon. Moi, j'avais besoin que d'un. Oh, si je fais mimique et que je lampe à le corne, est-ce que ça serait vraiment... Allez. À tes souhaits, je te dis ton. Bordel, il est pas... Mais quoi? Oh, il lutte. Quoi? Il a juste tampé le corne 5 fois et maintenant il lutte. Merci pour à mes souhaits. Mais attends, non, c'est une blague? C'est une blague, vraiment. Je connais pas. D'accord, ben on est content alors. Mais attends, mais lutte, ça fait super mal. Hein. Mais c'est... What? Excusez-moi, j'ai pas tout compris. Ah putain, qu'est-ce qu'on est heureux que Paras monte de niveau. Il a manqué sa chance, regardez-lui, il est salé. Attends, mais les mecs te filent des Pokéballs en plus? Bon, on va retourner se soigner, parce que... Ces deux combats nous ont un peu mis mal. Ce combat improbable, mais grave. Enfin genre, c'est jamais passé comme ça dans les jeux, non? Avant, il y avait des mini-queues, tu sais, des trucs comme ça. Arrêtez. On entend que vous ici, c'est insupportable. Ton pull à la calvitie. Ah oui, il perd ses cheveux, oui. Il perd ses peluches. Dans ce cas-là, n'utilise pas un sèche-linge. Et pourquoi tu utilises un sèche-linge? Mais je n'utilise pas. Pourquoi tu n'utilises pas de sèche-linge? Parce que, un, c'est assez mauvais en économie d'énergie. Oui, c'est très vrai. Ça coûte cher. C'est pas bon, enfin, voilà, bref. Zut. D'accord. Il y a un gratte attaque. Il y a deux gratte attaques. Ils sont quand même très gras. Hein. Ah, il y a un roux cool. Eh, c'est vraiment les buissons du pauvre, ici, quoi. J'en voulais un Pokémon rare? Non. Voilà, gratte attaque, le retour. Bon, on va faire du combat. Et t'es heureux, toi, non? Toi, t'es un émo, non? Ah non, c'est un intello. Ni. Mais est-ce que j'ai le niveau? Parce que le... Oh, cette tête. Parce que... Oh non. Cul intello, on voit Smogo. Le problème, c'est si le Smogo est plus de niveau 30, c'est que j'ai... Non, c'est bon, j'ai le niveau, en fait. C'est juste le truc qui était niveau 15 000. D'accord.
Fluff. Un télo de Bleach le retour. Non, Ishida de Bleach, pardon. Bon, faut vraiment... Attendez, hein. Je reviens deux secondes. Faire. Voilà, maintenant au moins je saurais lire. On a la vue qui baisse, papy. Non, c'est juste que de loin comme ça, j'imagine que toi tu sais pas lire. C'est, je peux pas être devant le micro à faire. Le serpent. à faire Evoli qui. Ah ben ça c'était de la. Ça c'était de la poudre dodo de qualité quoi, un tour. Putain. Bonsoir Xenonium. Un ancien Divalis. Ah, c'est un ancien Divalis. Bonsoir, une personne que je ne connais sûrement pas. Voilà, on est heureux. Détritus. Yo, à Xanto. Ah, Xanto, ça c'est un très très bien. C'est un pseudo assez sympa. C'est dommage qu'il y ait un H128. Xanto 28, c'est quelqu'un qui était déjà venu, non? Oui, je crois, oui. Oui, j'ai un peu le sel envers le... Xanto, que je trouve qui était un très bon personnage jusqu'à ce qu'il soit complètement con. Voilà. Je suis en train de mettre des peluches sur le micro, je change de tuile. Va falloir que t'arrêtes. Et j'ai mis un H, car dans mon prénom, il y en a un. Oh, est-ce que c'est Joshua? Mais c'est une très bonne, explication, oui, j'aime beaucoup. Au moins, on a les explications des pseudos. Le mien est un peu long, donc allez vous faire. Ah, la capsule vitesse plus, la fameuse, hein, on aime beaucoup. Est-ce que tu veux pas me trouver un objet air bizarre là-dedans? Non. Putain, tu sers à rien, toi, en ce moment. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un ornithologue? Non. Attends, c'est quoi ça? Pourquoi il a un mégaphone? Non, c'est plus Swag et je m'appelle Johan. C'est pas Barbabé. J'ai pas compris. Ah, c'est un électricien avec un... Barnabé. Mon dieu, pourquoi? Oh merde, il a un Voltalo. C'est comme une Mantalo, mais avec Voltali, quoi. Ah, le gars, t'as pas trop changé, visiblement. Comment ça bâche? Double pied, ah j'aime pas. En fait on s'en fout, c'est pas du tout efficace. Allez, poudre dodo là, flush, dans la tronche. Putain mais qu'est-ce que ce jeu est lent. Oh, je regrette presque bleu et rouge. Où ça pouvait aller deux fois plus vite. Ah mais il est long hein. Non mais je dis pas long, je dis lent. Oui, long et lent. D'accord, chacun son truc. Ah non, il y a des choses qui ne changent jamais. Coucou Dervi, coucou Xeno. Derwi? Derwi, c'est un ancien pseudo de Nido? Je ne sais pas. Fouin. En fait, ils sont tous du 28 ici. Nino 28, Xanto 28. Et où est Amandine? Amandine du 28. Du coup, on est en train d'imaginer Noémie en train de faire du rap. Oh ah, moi je veux Nono qui fait du rap. Non, c'est leur QI. Oh, enculé, mais. Mais quel enfoiré, c'est pas possible. Oh putain, ce gros plan sur la gueule, l'air bizarre, c'était chelou quand même, hein, genre, coucou. Ouais, il m'aime. Bon, sinon, Voltali, tu décides de mourir un jour parce que je crois que je fais que de la merde depuis tout à l'heure. Mmh. Oh, Mimito, le fameux. On l'aime beaucoup. Au village. Et c'est pas logique. Mais qu'est-ce qui est logique ou pas logique? T'as, donne-moi tes Pokémon. En fait, donne-moi tout. Maintenant, en fait, avant, on leur racutait l'argent. Maintenant, on leur vide leur sac aussi, quoi. Eh, fais le matin. Il y a un Roucou. Attends, mais il y a une madame! Oui, allez, dépêche-toi, Kono. Ah, il y a un Goupi.
Je l'ai, Goupy. Je prends la Pokéboula, ça. Putain, mais c'est gratuit. Pourquoi? Ah oui, t'en fallait un, c'est ça? Je vérifie dans mon sac si j'ai bien deux Kono. Ouais, bon. T'es sûr? Ah oui, en effet. Pourquoi je les ai pas échangés? Oh là! Salut toi! Oh la chute! Ah ben ouais! Si, c'est Amandine 38. Elle était apparemment plus intelligente que vous. Ah, le retour du lancer nul. Ah oui, très nul. Un Guy. Si je l'ai du premier coup, il y en a un qui va encore râler. Donc, voilà. Oh, c'est drôle. Donc il est en train de râler, hein. Il est parti se réfugier dans la cuisine. Le seul endroit où il est à peu près seul. Oh merde, Chitifleur évolue. On va pouvoir le changer. Mettre un autre Pokémon pour remplir le Pokédex. Là. Oui, mais il faut une pierre ou le faire échanger, non? Oui, il faut une pierre, non? Oui, Rafflesia, c'est... Je sais plus, tiens. Ortide avec la pierre, c'est jolie fleur. Bon, de toute façon, j'ai eu un Kadabra gratuit alors qu'il y en a non. Mais quelle connasse! C'est Noémie la top dresse! Ben voilà, on en parlait. Noémie, je vais te mettre une fessée. Ah merde, non. En fait, là, non, pas du tout. Sauf si je suis plus rapide que Kadabra, ce qui m'étonnerait. Allons voir, attention. Mise oh non. Oh, ça va, il utilise Flash. Bisous Xeno, bonjour, oh Imagiro. Imagiro, il a fait... D'accord. Et au revoir Xeno, oui, en effet. C'est le retour de la vampigraine. J'ai une question très importante à poser à ceux qui ont fait ce jeu. Est-ce que les dresseurs sont parfois assez intelligents pour changer le Pokémon qu'un... Ça arrive rarement, mais vers la fin. Ah, à la fin, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils font ça, tu veux leur mettre une dernière attaque, ils font... Eh ben non. La trancherbe sur du psy, non, hein. Pas trop aussi, je sais plus. Non, c'est... Putain d'enculé. Il est en train de dormir, il évite l'attaque, va falloir qu'on m'explique comment. Hein. Le mec était somnambule. Hein. Enfin, dans tous les cas, j'ai attrapé Kadabra du premier coup. Ortide évolue en Rafflesia avec une pierre plante, et en jolie fleur avec une pierre soleil. Mais c'est pas en première génération. Oui, jolie fleur, oui, évidemment. Donc tu vois qu'elle évolue avec une pierre plante. Qui c'est qui a raison encore? Dis-le, bordel. J'ai raison. Hein? Non, c'est moi, je l'ai dit. Là, pour le coup, Luigi, c'était Ralga. Ouais. C'est son nouveau surnom. Elle envoie je sais pas quoi à un Machopper. On continue. Non, on va changer. Toi. Attends, c'est quoi qui a la priorité? C'est le vol sur le combat ou c'est le combat sur le vol? J'ai oublié. Non, c'est le vol sur combat. Ouais, ouais. Ouais. C'est la Kaya, ça, qui est fort sur le vol. T'es vraiment pas beau, ma chopper, le pauvre. C'est la cruelle. Prof. En effet. Ah ben merde! Mais pourquoi il a éboulement, cet enculé? Mais depuis quand? Je vous laisse, bonne soirée, amusez-vous bien, des bisous à tous. Eh bien, au revoir. Au revoir Nino, merci d'être passé. Elle n'est pas là. Je sais même pas si quelle heure il est. Ouais non, elle est pas encore couchée. Tu m'as dégagé. Oui, en effet, la cruelle comme l'outil du maçon. Oh non. Oh non, faut qu'il aille se coucher, ça devient souvent mal. Noémie, ramène-le au lit.
C'est vrai qu'on peut marcher dans les herbes dans le jeu, on s'en fout en vrai. Bon, y'a rien d'intéressant qui veut pop là ? Y'a pas un cadavre, un alakazam ? Ah, cassez-vous ! Toi, t'es quoi, toi ? Il a dit que les dés étaient jetés. Allez, ah, j'attendais. C'est Stanislas qui envoie Rhinocorne. Eh ben, Rhinocorne va se faire one shot. Comme la musique de Maître Gims. Aïe. Putain, il s'est pas fait. Ah, mais il est niveau 35, j'avais pas vu. Oh non, mais ils sont trop pénibles avec leurs empalmerdes là. Mais c'est pas possible. Mais j'en peux plus. Mais c'est dingue. Bravo Nils, super pour l'empalcorne. Aïe aïe aïe. Bon, voyons les vos flambeaux là. C'était vraiment de la merde. Ah merde, ça a brûlé. C'est vrai que ça brûle à chaque fois ça. Non ! J'ai pas envie de me refaire niquer la tronche. Morsure, c'est physique, mais est-ce que ça passe ? Ah, mieux que le feu apparemment. Mais putain, dans pas le corne, mais c'est pas possible ! Putain, mais... Oui, ta gueule ! Est-ce que Boostiflore, normalement, quand on va, même quand il va pop, il va faire blibli. Il a pas fait. Je suis très déçu. Fouillian. Pauvre. C'était incroyable. Le combat insupportable. Contre un gros con qui spam l'empalcorne. Aïe, aïe, aïe. Ouais, grave, on se croirait sur Smash. Mega Fire! Mega Fire! Mega Fire! Des gifles. Attends, mais là, il y a un truc. Il y a eu un bruit chelou, là. C'était quoi? Bah non, c'est de la merde. Alors qu'on retourne se soigner dans la meilleure ville du monde. Le bonheur. Ouais, mais là... Maintenant, depuis Smash, le Vénard, hein, j'en peux plus, quoi. Le Vénard. Oh... Bon. Boostiflore est censé évoluer avec une pierre. Donc nous allons changer notre équipe. Je te veux dans mon équipe. Alors, qui doit évoluer? Pourquoi j'ai un Roucou, là? Sachant que j'ai déjà un Roucou. Va falloir qu'on le vire. Oui, je te transfère. Et puis Abra aussi, maintenant que j'ai la Kazam. Kadabra, putain, je suis à l'ouest complet. Il aurait pas fallu que je me mette à stream alors que j'ai bossé aujourd'hui. Je t'avais dit. Mais non, il faut stream. Si tu viens, on mange tranquillement ce soir, on joue entre nous et au pire on stream demain. Et tu m'as dit au final, non, je veux bien stream Pokémon. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Voilà. Voilà. C'est dimanche, lundi ou les deux. Tu respectes quand même les gens qui travaillent, qui ont un vrai travail. Ben oui, j'ai un vrai travail alors. Un vrai travail qui prend beaucoup de temps. Tu me blesses moi-même hein, quand même. Oui, c'est toi qui l'as cherché, j'ai rien dit moi. Et celle-là, les fleurs, tu veux pas les voir, idiotes ? Elles sont jolies. Et là, il y a un caillou. Il est très caillou. Il m'énerve. Bon, il n'y a pas d'autres Pokémon intéressants dans ces herbes moisies ? Faut avancer, sinon. Hein. Mais qu'est-ce que j'essaie de faire ? Tourner en rond. Mais je tourne pas en rond ! Je me bats comme des connards qui spamment l'empalcorne et je me fais défoncer. Voilà, en plus il y en a qui jouent à The Binding of Isaac. Ouais, pour une fois qu'on voit autre chose que Splatoon. Ouais, grave, il est où Splatoon 2. Putain, c'est maintenant que tu me dis qu'il y a un truc dans le... T'es un gros con, Herbie. Salut les filles. Allez.
Oui, allez. Mais... T'as bougé, en fait. C'est un mongol. Il est con. Comme dit dans un épisode de la première saison de Pokémon, une pierre reste une pierre, Pierre. Elle est trop bien, cette vanne. C'est Cloub. Non, c'est pas Cloub. C'est une pierre est une pierre, Pierre. Oui. Ouais, pourquoi Cloub ? Dans le Père Noël est une ordure. Il y a aussi une référence à Pierre. Qui joue encore à ce jeu de peinture pour gamin. J'avoue. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? Megan. J'avoue, Splatoon, ça a été développé par des gamins, comme les mêmes qui ont écrit pour Stromae. Alors déjà, c'est pas Splatoon, c'est Splatoon. Mais pourquoi Pikachu ? Au revoir, Yves. Oh shit, ce qu'il a pris. Souplesse. Ah oui, d'accord, ça fait ça, souplesse. Ça m'écrase. Pauvre. Qui joue encore à ce jeu de peinture pour gamin. Pourquoi t'as dit ça? Tu t'es fait insulter ou... Ça a changé la souplesse, mais grave. Ah, comme elle est dégoûtée. T'as, filme-moi tes Pokéballs et puis ton goûter aussi. Oh! Enfin! Mais il est voulu niveau 32 lui aussi! C'était pas 36 ça, non? Non, lui c'est le seul des trois. Aïe aïe aïe. Je comprends plus, moi. Flori! Boui. On l'aime beaucoup au village. Je peux avoir méga Flori? Ah, danse fleur. En effet, oui, je veux oublier une capacité. Mais danse fleur, c'est pas dangereux. Ah, voilà, c'est deux ou trois tours après confusion. Donc on va... Ok, apparemment, si tout plante, c'est la faute de Jacques, donc ben, giflez-le. Genre vraiment très fort dans le visage. Parce qu'il le mérite, hein, n'oubliez pas. Pourquoi j'ai oublié Trancherbe? Pourquoi j'ai fait ça en vrai? Putain, je suis vraiment un tocard, quoi. C'est pas grave. Ah ben, t'as bien changé, Herbe. Miaou, c'est si mignon. Miaou. Oui. Miaou. J'ai envie de manger des M&M's pour faire un ASMR nul. Genre... Danse fleur. Oh là là. Ah, Valentine, la fillette. Oui, je change, on va mettre Evolidol. Qu'est-ce que j'ai fait? Non? J'ai pas demandé ça. J'ai demandé Evolidol. Bye bye. Oh, des gifles. Et vos flambeaux. D'accord. Moi, si on vole, je dis qu'il bluffe. Putain, mais... Oh là là. Alors que Miaouz vient de se faire rect. Mais putain, mais elle en a pas marre. La meuf, elle s'est dit... Alors, ma team, c'est 3 Miaouz. Tous aussi. Mais non, mais je vais le faire. Et puis, t'as qu'à en manger, toi aussi. Pourquoi tu fais ça? C'est les meilleurs. Non, c'est pas pareil. Prends un chewing-gum, Emile. Prenez un chewing-gum, Emile. Si, si, j'insiste, prenez un chewing-gum. Et allez, l'intello nul.
Attention, ASMR. J'espère que vous avez aimé. Mon Dieu, mais tais-toi, mais... Évidemment qu'on a la référence nulle de cette daube. Non, de... il a marqué 1, 2, 3, 3 petits chats, 3 vilains petits fripons, mais c'est horrible. Pourquoi écrire ça? Pourquoi, Bouzigouloum, tu fais ça? Ah merde, c'est vrai qu'il fallait changer Boussifleur. J'ai pas la référence, moi. Tu es nul. Non, je veux pas jouer avec Evoli, j'ai pas envie de le faire roucouler. Alors, qui c'est qu'on va mettre à la place de Boustiflar? On peut faire évoluer Machoc. Ou alors Psychoquack. Je l'inclus dans mon équipe. Adibou, d'accord. Je le veux dans mon équipe. Allez, on se casse. Ah mais non, là c'est à Safrania et on peut pas encore y aller. Il n'y a pas de truc. Bon, bah on prend le machin jusqu'à, comment ça s'appelle, c'est là de Paul pour aller voir mon homonyme féminin. Ah, je l'ai vu. C'est où? Mais. Ah. Bon, comment on fait pour faire grandir une commu Twitch? Attends, ça on déconseille. Démerde-toi. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse te donner. Démerde-toi. Et fais des choses régulières. Et surtout, ne nous demande pas de conseils. Et surtout, mais alors surtout, il faut que tu aies un community manager de dingue qui informe les gens qu'il va se passer des choses 30 minutes avant que ça commence, parce qu'il ne veut pas le faire. Mais c'est pas que je voulais pas. Tu es une grosse feignasse de merde. On n'avait pas l'heure. Si, j'ai dit. Non. J'ai dit que l'on streamait ce soir. Tu as dit non. Alors, c'est là. Il est où? Donc en gros, je prépare maintenant la publication, genre demain, voilà, 14h en stream, c'est ça? 14h si t'as envie. Oublie que tu as... Attends, quoi? Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Quoi? C'est une référence... Ah, oublie que t'as aucune chance, d'accord. J'ai pas compris. Ah, salut. C'est quoi, comme ref? Je l'ai pas, là. Non. Si c'était Orelsan, bah, Imagiro, il le saurait. Mais je l'ai pas, ça, là, tu vois. La route 7, la route 7, la route 7. Oh, putain, une connasse qui va encore me mépriser. Oh, l'autre con qui s'est arrêté pour me dire « Ouais, elles sont belles, les fleurs. » T'auras pas le temps de voir les fleurs. Sale pute. Je la déteste. C'est comme ça, un M&M. C'est Louise qui a un raichou. Merde, les bronzés font du ski. Ah, ben merde. Non, je l'avais pas du tout. Pouf. Ça va me faire mieux lumière, tu vas mourir. Et... Pouf. Non, je vais pas changer de Pokémon. Je vais faire le troisième tic de Dansefleur et ils vont mourir. Non! Pouf.
Eh merde. Oui, je change de Pokémon. Je demande à Eve. Bon, en vrai, je vais te donner un conseil de dingue, Imagiro, pour ta communauté. Mais alors, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Tu t'en bats les couilles. Le mieux, c'est que tu fasses ce que tu as envie de faire. Peu importe ce qui se passe, c'est si toi, t'as envie de faire un truc, tu le fais. Voilà, si t'as envie de jouer à Splune, tu joues à Splune. Si t'as pas envie de jouer à Splune, tu joues à autre chose. Tu fais ce que tu veux, c'est ta chaîne, tu fais ce que tu veux. Tu n'as pas à te lisser le poil ou quoi que ce soit, juste pour un ou deux connards qui va te dire « Mais moi j'ai vu que tu fasses ça !» Bon, évidemment, hein, tant que tout reste dans le respect, voilà. De toute façon, c'est comme partout, en fait. Tu fais ton truc, si ça plaît... Tant mieux, ça plaît pas, et eh ben tant pis. Je me suis fait agresser par un roucoule qui volait. Je l'ai pas vu. C'est Falcon Punch en fait. Ben, je vais l'attraper, mais juste pour lui faire plaisir. C'est pas pour moi, c'est pour Clarisse. Et eh ben Clarisse, ça fait du dessin. Et donc, continue à faire du dessin, si elle a envie de faire du dessin. Y'a qui, je veux que tu fasses un autre jeu. Lequel? Du taiko. Lequel? Lequel? Le mec attend pas du tout le délai, tu sais. Lequel? Non, mais on sait jamais s'il faut. Il veut vraiment que je joue à un jeu. Et dans ce cas-là, je lui dirais peut-être qu'il est dans mes cordes ou... J'ai Transistor, pas envie. J'ai pas envie. Oui, Roucoule, oui. Quel type de jeu Quel type de jeu te ferait bien chier? Oh, j'ai failli me faire agresser par un gratte attaque. Y a pas un objet par là, hein? Putain, on voit rien, c'est quoi cette caméra? Il est bon le toit de la maison, t'as vu? Je suis pas sûr qu'à Isaac ça te fasse chier. Non, mais si, parce que j'ai pas de chance. C'est moi, toutes mes runs sont nulles à chier. C'est j'ai beau essayer, tryhard, me dire, boah, ça ira. Ça ne va jamais. C'est un bordel sans nom. Mais de toute façon, dès que le prochain DLC arrive, je recommence le jeu à zéro. Je fais une MV, c'est-à-dire je débloque le truc le plus intéressant et puis je roule sur le jeu parce que ben, la item pool, elle est nulle à chier, voilà. C'est tout. Et après, j'essaye de m'améliorer hein, aussi parce que je suis vraiment mauvais. Genre vraiment. Donc là, on est assez là, dodo. Ouais, bah derrière le centre Pokémon. Derrière son Pokédob, c'est vrai qu'il y a des trucs. Ah, bizarrement, là, la caméra, elle veut bien m'aider. Connasse. Et oui, Evoli, d'ailleurs. Et sur ta tête? Non, mais... Ah, tu parles de celui qui est censé être en haut du bâtiment? Oui. Il y est pas. Mais t'as peut-être autre chose, du coup. Ah, allons-y. J'ai enfin tué Mega Satan depuis que j'ai les DLC. Sans le DLC, ça débloque rien. Attends, quoi? Attends, quoi? Mais... J'ai enfin tué Mega Satan depuis que j'ai les DLC. Sans le DLC, ça débloque rien sur Isaac. Oui, merci. Ah bon, Mega Satan, je pensais que tu parlais de Pokémon. Ou de Dragon Ball, lol. Mais Mega Satan, il est pas compliqué. C'était quoi le problème? La clé? Ça peut être la clé. Boui. Oula! Pourquoi? C'est trop bien, Calindri, en plus. Ça fait super mal. C'est une attaque de type fée. Bon, qu'est-ce qu'il veut, lui? Attends, vas-y, continue, tu m'intéresses.
connard. Excuse-nous, Momon. Il existe 60 CT dans le jeu, très bien. Bah, j'ai acheté les DLC il n'y a pas si longtemps que ça, et pas moyen de choper les clés, même en essayant de les avoir. Ah bon? Sur les anges, t'as jamais eu les clés? Mais non. Arrête de m'étonner, c'est pas possible. Les gars, Satan n'est pas dans le jeu de base, hein, après, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Et le dernier DLC qui va arriver, là, c'est... Anti-Burst, si je dis pas de bêtises. C'est un mod qui a beaucoup plu à la communauté. Qui est vraiment bien fait. Apparemment, il adapte... Enfin, Macmillan a dit... Je voulais pas faire d'autres DLC, mais j'avoue que ça me plaît. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa pour nous. Simples joueurs nuls que nous sommes. De suite, le casino, je sais plus, en fait. C'est d'abord Erika, après casino, c'est ça? Mais je sais pas! Bienvenue au non-casino. Bienvenue au non-casino. Elle est où, la boîte? Mais j'appuyais sur A comme un random! J'avais même pas vu le... C'est un jeu dans lequel un Pokémon fait du surf. OMG, c'est une borne d'arcade. C'est une salle d'arcade. Pourquoi? Non, c'est vrai. Bah, il y a cette raison et le fait de moderniser un petit peu en vent. Moderniser. Non. Regarde, il y a Ryu qui joue à un jeu. Mais non, ils ont pas fait ça. Si, si. Mais moi, je voulais faire un peu de trucs. Et il est où le bouton derrière le poster? Bah, il est... Derrière le roquette, j'imagine. Pousse-toi! Ah, faut d'abord faire... Allez, on va voir Erika et on quitte cette ville de merde. Mega Satan est dans le jeu de base. C'est même le true last boss du jeu de base. Et je me suis fait troll par le jeu à pas avoir d'Angel Room avec 80 sens. Ah ouais? Ben merde alors. Quoi? Hein? Tu sais, je réfléchissais. En fait, on va mettre mon Pokémon feu là. Oui, parce qu'Evoli est mon Pokémon de feu. Salut! D'accord, ciao. Ah! Il y a un objet là-haut, non? Je suis un putain de génie! Je m'attendais pas au Beframby, cela dit. Mais... Salut! Tu es nul à chier, meuf. Mais qu'est-ce qu'elle est nulle? Mais qu'est-ce qu'elle est conne? Mon dieu. Cette arène. Oh! Il est là! Il est heureux d'être là. Ah oui, il est de nature rigide. Donc voilà, il sera vraiment balèze. Ah oui, il pourra donner de torgnoles. Attends, torgnoles, c'est pas physique? Elle dit n'importe quoi.